On a gagné, putain, on a gagné. Yeah. Oh là là. Rich Color et mer, le changement est en marche. Ouais. Tout le bureau du maire est barricadé, c'est une vraie forteresse. Comment est-ce que Cartman a réussi ça? C'est lui le maire. Il peut faire ce qu'il veut. Regardez, à la fenêtre. Allez tous vous faire foutre. Je vais faire passer plein de lois pour vous baisser jusqu'au trognon. Oh non. C'est terminé, on a perdu. Mais on peut pas perdre. Atterri, Kyle. À cause du nouveau, Cartman est devenu maire et il n'y a plus personne pour nous aider. Le nouveau, réponds. C'est qui ça? Je suis quasiment sûr que c'était Morgan Freeman. Le nouveau, il y a eu une anomalie temporelle. J'imagine que ton cul y est pour quelque chose. Viens chez le marchand de tacos, il faut arranger ça. Morgan Freeman, toujours là. Les potes de la liberté, rendez-vous au Freeman's Tacos maintenant. On y va. C'est bon, le nouveau est là. Morgan Freeman dit qu'il peut nous aider à arrêter Cartman. Mais l'arrêter comment? Il a déjà été élu maire. C'est la faute du nouveau. Il nous a télépété vers l'avenir. Le nouveau, tes paix ont accéléré le temps. Il faut réussir à revenir en arrière et empêcher Mitch Connor d'accéder au pouvoir. Voici le Quesarito Chipotle Nacho Suprême au bœuf puissance 7. La dernière fois que quelqu'un y a goûté, il a pété si fort qu'il a créé un trou noir permettant de voyager dans le temps. Mais je t'avertis, mon ami. Manger le Quesarito Chipotle Nacho Suprême au bœuf puissance 7 est un aller simple. Assure-toi de prendre tout le nécessaire avant de le manger, tu piges. Maintenant, tu dois remonter le temps au moment où Mitch Connor a prêté serment. Tu peux le faire. Tu dois simplement croire en toi. Parcourir le temps. Oh merde! Le nouveau, je n'ai pas l'impression que ça marche. Crois-tu en toi? Oh non, tu n'as pas cru en toi. Tu n'as pas cru en toi. What? What? Joyeux Noël! Joyeuses fêtes, tout le monde! Ouah! C'est encore Noël, on va se retourner la tête! Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive trop tard! Le nouveau nous a envoyé vers le futur, quand Cartman est déjà maire! Tu dois nous renvoyer dans le passé, le nouveau, avant que tout cela se produise! Ça ne marche pas! Peut-être que le nouveau a le trou du cul fracturé! Le trou du cul fracturé? C'est ridicule! Boîte à outils a raison, il faut vite emmener le nouveau consulter un médecin! Attention le nouveau, South Park est un endroit super effrayant à l'approche de Noël! Oh salut les enfants, joyeux Noël, vous voyez? Je suis tellement raide, j'ai l'impression qu'on fête Noël depuis un an! Mais ils mettent quoi dans ces boissons? Monsieur Mackay, il y a du pissin dans votre alcool, arrêtez de boire! Oh mais c'est les fêtes, vous voyez, on peut quand même lever un peu le coude! Ouais! Ah oh, mon dieu, les revoilà! Les animaux de Noël! N'ayez pas peur, nous sommes ici pour célébrer la venue de notre Seigneur et Sauveur. Sandek, joyeux Noël à tous! Oh 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 oh! Hé, hey, regardez! C'est le justicier dont le maire nous a parlé! Si on l'élimine, on touchera une prime! Youpi, youpi! Youpi! Bah les petits animaux de la forêt, ils sont si mignons. À table, et vous êtes au menu. Putain, je m'attendais vraiment pas à les voir, mais j'avoue, c'est tellement logique. Oh, oh, oh. C'est ton cadeau de Noël. Oh, oh, oh. Allez, si on peut essayer de gratter un petit peu des tirs. Le cul du nouveau a sorti une tempête! Si tu es des enfants, c'est mal, je ne veux pas faire le bien! Oh oh! Voilà qui va les réchauffer! Je pense qu'ils vont être durs à tuer, hein! Oh,
Oh là là, j'aurais dû garder mon pouvoir. Gloire à Satan. J'adore ces jolies petites flammes infernales. Mec, ces animaux de la forêt sont impossibles à battre. Ils vont nous tuer. Tout est fini. Eh mais attendez, c'est Noël. Je sais qui peut nous aider. Le nouveau, il faut que tu pries Jésus. Mais oui, c'est bien sûr. Il faut que tu crois en Jésus, tu m'entends? Prie Jésus, le nouveau. C'est notre unique espoir. Et comment on prie Jésus? Allez, je prie. Vite, prions. Ça ne suffit pas, le nouveau. Prie encore Jésus. Prie pour ton salut. Allez, je prie fort, là. Allez, le nouveau, crois en Jésus. On y croit. Prie Jésus, sinon on est tous morts. Allez. J'ai pris fort. Le nouveau a réussi. Ouh. Il va arriver avec ses mitrailleuses. Quoi ? Père Noël ? Très bien. Qui a invoqué le Père Noël qui était bien tranquille dans le ciel ? Vous avez putain de mes reines. Santa ! Et regardez, c'est le Père Noël. Le Père Noël, génial, on va pouvoir le bouffer. Gloire à Satan ! Encore vous, putain d'animaux de la forêt ? Papa Noël va vous défoncer le cul. Bon, on se refight. Oh zut, on n'avait pas prévu que le Père Noël viendrait. Qu'allons-nous faire? Nous avons un petit souci, Pimpin. Ne sois pas triste, Nounours. Je peux me sacrifier. Hourra! Oh là, il va invoquer Satan, quoi. Sentir la botte du Père Noël. Hourra! Alors, hop là. Ça en vrai. Bon, allez. Quel délice de pouvoir utiliser ses yeux laser! C'est l'heure de l'épidémie! Là, je devrais faire plus attention! Front orageux en approche! Putain, ça va être chaud en vrai, hein. Voilà le tonnerre. Ah, calamité. Youpi. Himadayo. Himadayo. Kimi no tsukara o boku ni chōdai. Ah, kitari de issho ni iko. Afure dashita Eros wa totsu tonari sekai o mukasu. J'espère que vous n'êtes... Ça fera un excellent 4 heures. Capitaine Diabète est de retour. Et hop, qu'on en termine. Dans les dents, connard. Yeah, victoire. Merci pour votre aide, Père Noël. De rien. Mais c'est quoi tout ce bordel? On est désolé, on voulait revenir dans le passé, mais le nouveau s'est fracturé l'anus, alors on essaie de l'amener dans une clinique d'avortement. Je vois. Bien, vous les enfants, vous allez lui faire réparer le cul. Père Noël va retenir ces espèces de tampons usagés. Allez, filez à la clinique d'avortement. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire là. Tina! Tina, pardon! Puis on a un nouvel artefact. Ça peut être pas mal. Là. Tema, il est en train de l'enculer le papy là.
Ah mais c'est parti en cacahuète là le Noël. Waouh. Mais t'es mort tous les gens qu'il y a. Tout doux les enfants, on a un tas d'avortements aujourd'hui. C'est Noël. Il nous faut un médecin pour ausculter le cul de notre copain. Laissez-moi deviner, il a une grande fissure en plein milieu. Ha ha. Non, s'il vous plaît, écoutez-nous. Rien de tout cela n'est censé se produire. Il faut arrêter le maire, on sait comment. Le maire? Cette pourriture a fait de la ville un vrai trouara. On peut y mettre un terme, pitié. Regardez seulement le cul de notre copain. Ouais, il est fracturé, effectivement. Vous pouvez le réparer. J'ai posé une attelle et une petite écharpe pour libérer la pression du sphincter. Essaye de nouveau. Ramène-nous. Attention à la trouduque. Oh putain, mec. Tu peux y arriver, le nouveau. On y est presque. Oh. On a réussi cette fois ? Oh non, on a remonté grave trop loin là. What ? Mon poussin, tes amis t'attendent dehors pour jouer. On devrait se réjouir qu'il se soit fait des amis aussi vite. Nous sommes venus ici pour nous cacher. Plus d'amis égale plus d'ennuis. Tu deviens parano. Décroche plutôt de ce truc, je commence à ne plus te reconnaître. Lâche-moi un peu. C'est le seul truc qui me détend et me permet d'oublier toutes tes conneries. Tiens, coucou, toi. Ah, t'es là, j'avais pas vu. Tes amis sont en bas. Sors t'amuser. Mais what? Non, non, Instagram. Non, mais du coup, on est remonté dans le passé. Les païens tentent de prendre un coup à Kip. Vous devez venir vous battre, Majesté, vous êtes What notre seul espoir. Le gros bug. C'est qui, okay. Ça hey, on joue plus aux super-héros, gros nul. Allez, le nouveau. Étriez-les, seigneur. Seigneur de mes deux. Écartez-vous, les gars. Il faut stopper Cartman avant qu'il remette ça. Vous faites quoi, là? Ça doit faire 5 jours qu'on a arrêté de jouer aux super-héros. Ouais, du vent, bouffon. C'est pas une blague, c'est moi, Craig. Va te faire foutre, mec, c'est moi, Craig. On n'a pas le temps pour ça. Poussez-vous, il faut qu'on voit Cartman. Alors vous devrez nous passer sur le corps, et celui de notre roi. Oh, ils sont relous. Enfin, on est relous. Notre roi ne vous laissera pas passer. Ah cool, t'avais pas pu jouer à deux la dernière fois. Attends, on se bat contre nous-mêmes, là. C'est fou. Comment vous avez fait pour remonter le... Ça, mon gars, tu connais pas ces techniques, hein? Tu ne les as pas encore apprises. Ce père a des capacités à soupçonner. À toi de jouer, le nouveau! Laissez-moi les réduire en bouillie, mon roi! Il va avoir droit à prélèvement de sang. Hé, hey, mec, mollo. Qu'est-ce que... On doit protéger notre roi. En crotte de pique, revenez, sire. Le meilleur guerrier du roi peut s'occuper de ses nulos. Bah, Clyde, guerrier. Pour le roi. Pour le roi. Vive le roi. Je vais vous affronter, moi. Je te couvre, mec. Ils n'ont aucune chance face à nos technos du futur. Ah. Bâtard, la protection de ouf qu'il leur a mis. Allez, Trouduc. Pouf. Je vais le sucer, les mecs.
Mes batteries sont bientôt à plat, faut vaincre nos doubles en vitesse. Grave. Non, ça va pas le faire. Super tornade. Après, ils ont pas beaucoup d'HP, donc en soi, c'est pas trop compliqué, quoi. Tu leur as fait quoi, Trouduc? Ça, c'est un travail pour le voleur rusé du roi. Tu ne peux pas tenir longtemps contre nous tous, moi du passé. Tu vas mettre un point, Craig débile, au Shinnojutsu. What? T'es sérieux? C'est vraiment nul. Ah, j'imagine que je vais me battre contre lui. C'est quoi? Il m'a saoulé. C'est parti. Non alors. Oui. Hein? T'es mort, imbécile, mort. Fais-en de la bouillie. Bouillie, purée, peu importe. Himaraya. T'es bien battu, voleur. Je te vengerai. Garde de la cour noire, aidez-moi à battre ces enfoirés. Quoi? Pour le roi? Oui, pour le roi. T'es un adversaire redoutable, moi du passé, mais je vais te battre. Même avec tes gardes, tu ne peux rien. Waouh, le Kyle du passé avait un costume cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey. J'avoue. Bah, Kyle le grand elfe juif. Je tire. Je m'en veux de vous attaquer, les mecs. Boum. Viens-nous être des... Pardon, sire, j'ai été indigne. Oh, bon sang! T'en fais pas, je m'en occupe. Nous combattrons auprès de vous, sire. Oh, hé! Hey. Ah! On est de retour! Putain, il a remis tout le monde, le bâtard. Toi devant ton roi, futur nouveau! Pas le roi. Non, on va, le congeler. Glaciation! C'est cool, c'est qu'il aura pas joué de la game, Trouduc du passé. Réglage des commandes de Tuperclim. Let's go! Ils ont battu le roi! Retraite! Ah merde, le roi a été battu! Merde, je me casse d'ici! Ah, crotte de pique! Cinquante artefacts! Youpi! Halt! Vous ne pouvez pas passer, il y a de la lave partout! On n'a pas de temps pour ces conneries! Oh mon dieu, comment a-t-il fait ça? Sans blague, comme si les règles ne comptaient plus! La vache, vous avez vu ça? Oh, les enfants, je crois qu'Eric est là-haut dans sa chambre. Hé les gars, je viens de voyager dans le temps pour vous retrouver. Un chat a disparu. Grosse récompense. Minute, pourquoi vous jouez déjà au super-héros? On sait ce que tu manigances, gros tas. Mysterion? Mais tu es avec les potes de la liberté. Nous sommes tous des potes de la liberté. On vient du futur, grosse bouse. Non, c'est moi qui viens du futur. Je revenais justement de l'époque du bâton de la vérité pour vous chercher. On ne joue plus là, on sait tout. Montre-nous ta main gauche. Ma main gauche? Mais pourquoi? Montre-nous ta putain de main gauche. Ah, bonjour les potes de la liberté. Le voyage temporel, c'est vicieux comme truc. Connor, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais élaboré un plan où le nouveau m'aidait à parvenir à mes fins. Mais il semble que de bons samaritains aient voyagé dans le temps pour faire avorter mon plan. Cartman, je te jure que si tu cesses pas ton petit jeu... Mais c'est sans importance, car je sais quelque chose que vous ignorez tous. C'est quoi ça? Comment faire péter quelqu'un méga fort en lui frappant dans le plexus? Ya, Connor, non! Ouah, c'est quoi ce pain encore? Non. Remontez le temps. Tunnel temporel, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est cool.